Chers frères et sœurs, la paix soit avec vous en cette veille de la solennité de tous les saints, fête qui nous invite à rendre grâce à Dieu pour les merveilles qu'il a accomplies dans la vie de tous ses fidèles qui l'ont servi humblement. Il est bon de nous rappeler que de par notre baptême, nous sommes tous appelés à la sainteté. Soyez saints comme le Père céleste est saint, nous dit Jésus. Les saints et saintes que l'Église nous propose comme modèles étaient des pécheurs eux aussi. Ils avaient des défauts, leur caractère qui pouvait être parfois désagréable, mais dans leur vie, Dieu était le premier servi. Malgré leur misère, ils ont exercé la charité envers le prochain et les vertus de façon héroïque. Avec la grâce de Dieu, ils ont livré le bon combat de la foi pour être fidèles aux appels du Seigneur. Ils se sont aussi sanctifiés en faisant de façon extraordinaire les choses ordinaires de la vie. Chers amis, réjouissons-nous dans le Seigneur en célébrant ce jour de fête en l'honneur de tous les saints. Bonne prière. Demain, pensant les plaies, en émoi.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quand Jésus vit la foule qui le suivait, il gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait : Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi.
Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Dans la joie, bénissons le Dieu de tous les saints. Après chaque intention, vous répétez la fin de la phrase que je vais dire. Avec les anges, les patriarches et les prophètes, Seigneur, nous te louons. Seigneur, nous te louons. Avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, Seigneur, nous t'exaltons. Seigneur, nous t'exaltons. Avec les apôtres et les évangélistes, Seigneur, nous te rendons grâce. Seigneur, nous te rendons grâce. Avec les martyrs du Christ, Seigneur, nous t'offrons nos corps en sacrifice. Seigneur, nous t'offrons nos corps en sacrifice. Avec tous les saints et saintes de l'Église, Seigneur, nous te consacrons notre vie. Seigneur, nous te consacrons notre vie. Maintenant, faisons nos intentions particulières en demandant l'intercession de tous les saints.
comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes de célébrer dans une même fête la gloire de tous les saints. Puisqu'une telle multitude intercède pour nous, réponds à nos désirs. Accorde-nous ce que nous désirons, l'abondance de ta miséricorde. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que le Seigneur Tout-Puissant, vivant et vrai, nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint François d'Assise, priez pour nous. Saint Padre Pio, priez pour nous. Tous les saints, priez pour nous. De la mort subite et imprévue, délivre-nous, Seigneur Jésus-Christ. À tout pécheur, ô Vierge pure.